Nicolas, pour cette invitation et pour cet accueil. Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Je vais effectivement vous parler d'éducation aux États-Unis en mettant en relation ce qui se passe depuis quelques années autour de la censure des livres dans les écoles et les bibliothèques, mais surtout dans les écoles, et les liens qu'on peut faire, qu'on peut tisser entre cette censure et le contexte politique actuel. Donc, qu'est-ce que cette censure révèle des fractures de la société états-unienne. Donc moi, personnellement, mon travail porte sur le financement des écoles, mais c'est un sujet assez technique, donc je préfère parler de quelque chose qui peut-être sera plus évocateur pour tout le monde, la censure des livres. Alors, je vais replacer tout ça dans le contexte de la campagne actuelle. Par exemple, pendant sa campagne, pour cette élection présidentielle, l'ancien président Donald Trump a déclaré, je cite, « Les fous de la gauche radicale ont pris le contrôle des écoles publiques américaines ». Et lorsqu'il déclare ça, par la même occasion, il indique vouloir abolir le ministère de l'éducation aux États-Unis. Bon, je dis ministère pour que vous compreniez l'équivalent, mais c'est « the Department of Education ». Alors, Trump n'a pas particulièrement fait de l'éducation son combat principal par rapport à d'autres, on peut penser à l'immigration, mais il fait souvent des allusions à la façon dont les écoles endoctrinent les enfants, notamment pour tout ce qui se rapproche des questions de racisme, d'identité de genre et d'orientation sexuelle. En 2020, vraiment à la toute fin de son mandat présidentiel, il avait créé la commission 1776, donc en référence à la Révolution américaine, et le rapport de cette commission déplorait que, et je cite, de nombreux élèves apprennent aujourd'hui à l'école à haïr leur propre pays, à croire que les hommes et les femmes qui l'ont construit n'étaient pas des héros, mais étaient les méchants de l'histoire. Donc on voit déjà une vision assez binaire de ce que font les historiens et historiennes. Et depuis la fin de son mandat, donc depuis 2020-2021, on a vu de nombreux États adopter des lois qui limitent ce que peuvent enseigner les professeurs dans les écoles publiques, au lycée, au collège et dans les écoles primaires. Encore une fois, surtout lorsqu'il s'agit de parler de genre, de racisme et d'orientation sexuelle. Du côté des démocrates, Kamala Harris s'est peu exprimée sur la question, mais lors d'un discours devant le syndicat enseignant des États-Unis, elle a clairement montré son opposition à Trump et aux républicains, et elle a parlé d'extrémistes qui s'en prenaient à la liberté d'apprendre. Alors, le mouvement pour la censure des livres n'est pas tout à fait nouveau. Cela fait des décennies que des livres sont régulièrement contestés, retirés des écoles et des bibliothèques, mais c'est vraiment à partir de 2021, donc à partir du moment où les républicains ont perdu l'élection présidentielle, que ce phénomène a pris une nouvelle ampleur. Et cette censure est encouragée par un réseau de groupes conservateurs, donc je vais en présenter un tout particulièrement, par la diffusion sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, de titres que certaines personnes considèrent répréhensibles. Et je voudrais tout de suite nuancer ce que je vais vous présenter, parce qu'en fait, un sondage récent, donc qui date d'août dernier, montre que la plupart des Américains et des Américaines ne seraient en fait pas favorables à la censure des livres. Ce que vous montre ce sondage, c'est que la grande majorité, donc 78% des adultes, considèrent qu'en fait, les écoles elles-mêmes sont compétentes pour choisir les ouvrages adaptés pour leur public, adaptés aux élèves. Et là, on dit école par opposition aux parents d'élèves, parce que ce mouvement de censure, il émane surtout des parents d'élèves. Donc 78% des adultes aux États-Unis considèrent qu'en fait, les écoles peuvent être autonomes dans le choix des livres, mais on voit tout de même un décalage, si vous le remarquez, entre les démocrates. Donc 89% des démocrates considèrent que les écoles sont compétentes pour choisir les livres, contre seulement 69%. Alors c'est tout de même une bonne majorité, mais on voit quand même ce décalage entre démocrates et républicains. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment parler d'un enjeu politique, et c'est même un enjeu électoral, comme je vais vous le présenter.
Alors, tout d'abord, je vais revenir sur la question de la censure. Qu'est-ce qu'un livre interdit? Alors, dans ce contexte, je parle de censure pour désigner toute restriction d'accès à un livre. Donc, il s'agit de mesures prises à l'encontre d'un ouvrage, d'un titre, alors ça peut être un roman, une pièce de théâtre, mais aussi un manuel scolaire. Il y a des livres de mathématiques, par exemple, qui sont visés, ou des albums pour enfants, pour l'école élémentaire. Donc, un ouvrage, un livre visé en raison de son contenu et à la suite de contestations de parents d'élèves ou de la communauté en général. Donc, on parlera, je vais vous expliquer ce que c'est, de district scolaire, c'est-à-dire le quartier ou la ville desservie par certaines écoles. Alors, parmi les livres ciblés récemment, l'association donc, qui mène le plus de recherches sur la question qui s'appelle Pen America a constaté qu'environ 40% traitaient de racisme ou d'identité raciale ou incluaient des personnages racisés. 36% incluaient des personnages et des thèmes d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. Le reste serait un mélange de plusieurs thèmes. Par exemple, donc là vous voyez une bibliothèque qui a pris l'initiative de créer un présentoir spécifiquement dédié aux livres interdits. Alors, c'est des actes de résistance qu'on trouve un peu partout aux États-Unis, lorsque c'est possible, justement pour prendre les choses à contre-pied et mettre en valeur ces ouvrages interdits. Et donc, vous en reconnaissez peut-être certains. Donc, par exemple, The Hate U Give, qui parle de racisme. En bas, Stamped from the Beginning, qui reprend l'histoire du peuple noir aux États-Unis. Et le titre, un des titres les plus visés, c'est le roman The Bluest Eye de Toni Morrison, qui parle de racisme, d'identité raciale, mais aussi de violence sexuelle. Alors, en termes de chiffres, donc je reprends là les travaux de Pen America, il y a eu presque 6 000 ouvrages censurés entre 2021 et 2023. Et c'est une véritable accélération, c'est une ampleur qui n'avait pas de précédent, donc entre 2021 et 2023. Mais ce n'est pas du tout un mouvement qui est homogène sur le territoire états-unien. Et là, j'imagine que dans ce cycle de conférences, vous avez vu plusieurs cartes. Vous reconnaissez donc la mosaïque des États-Unis fragmentés. Et vous voyez des États qui se dessinent très clairement, qui se démarquent très clairement. Donc, bien sûr, vous reconnaissez dans le sud la Floride et le Texas. État où il y a presque eu 6 000 ouvrages visés par la censure. C'est un mouvement qui s'est accéléré. Là, dans l'année passée, il y a eu 3 fois plus d'ouvrages visés que dans les années précédentes. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui s'accélère. Toujours en Floride, mais aussi, alors je ne sais pas si on va voir mon curseur s'afficher, mais aussi, non, on ne le voit pas, mais aussi dans l'Iowa, puisqu'il y a eu dans ces États des lois qui ont été mises en place pour accompagner la censure, mais pour restreindre avec la parole enseignante, pour restreindre le contenu des cours en plus de la censure de certains ouvrages. Seulement pour comprendre cette carte, donc pour comprendre pourquoi dans certains États cette censure est plus facile ou en tout cas plus marqué que dans d'autres, il faut revenir sur le système qui s'appelle le fédéralisme aux États-Unis, qui est vraiment le système politique au fondement de cette nation. Et le fédéralisme, c'est tout simplement le partage des pouvoirs politiques entre les États, donc les États individuels, Texas, Floride, Géorgie, et l'État fédéral, dont les institutions sont à Washington, D.C. Donc, on pourrait dire national, mais en fait, on parle d'État fédéral puisqu'il y a cette organisation de fédéralisme et qui donne une grande autonomie aux États. Et donc, c'est pour ça qu'on parle souvent, vous en avez sûrement déjà entendu parler, de lois drastiquement différentes d'un État à l'autre, d'institutions différentes et, bien sûr, d'orientations politiques différentes d'un État à l'autre. Donc, c'est parce que les États sont souverains en matière d'éducation, et ça c'est propre aux États-Unis, l'éducation ne figure pas dans la Constitution
des États-Unis, c'est un droit réservé aux États individuels. Donc en fait, si vous vous rendez dans une école publique, dans un État ou dans un autre, vous aurez une expérience complètement différente. Et encore plus, et en fait ça va encore plus loin, puisque même au sein d'un même État, selon si vous êtes dans un district scolaire ou dans un autre, et les districts scolaires peuvent être assez réduits géographiquement, vous aurez également des programmes scolaires différents. En déménageant parfois même d'une rue à l'autre, vous pouvez être dans un système où le collège dure 4 ans et le lycée 3 ans, ou l'inverse. Parfois, le collège dure 3 ans et le lycée 4 ans. Et dans l'Iowa, par exemple, il y a une loi en 2023 qui a interdit tout matériel représentant des actes sexuels dans toutes les écoles, donc de la maternelle jusqu'à la terminale, à l'exception des textes religieux. Ce qui a entraîné une refonte complète de programmes dans certaines matières. De même, en Floride, une loi entrée en vigueur en 2023 stipule que tout livre contesté, donc contesté par un parent d'élève, par un groupe, doit être retiré avant d'être examiné. Donc la censure est vraiment accélérée, puisque à la suite d'une plainte, l'ouvrage est immédiatement retiré avant qu'une décision soit prise par le district scolaire. Un exemple aussi de Floride qui a été assez, enfin qui vous donne une idée de l'ampleur. Alors c'est une loi suite à un rapport de 2019 sur, vous le voyez ici, la pornographie. C'est le terme utilisé par ce groupe, sur la pornographie dans les écoles publiques de Floride. Mais en fait, dans le rapport, ce qui est désigné comme pornographique est en fait tout contenu qui a rapport avec des thèmes LGBTQ+, c'est-à-dire d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Donc un amalgame de sursexualisation qui a un long passé aux États-Unis et ailleurs. Et dans ce rapport, on trouve des listes d'ouvrages désignés comme pornographiques, dont celui-ci. Alors, il s'agit d'un album pour enfants, mais il se trouve que ce couple de pingouins est genré au masculin pour les deux. Et donc, cet ouvrage, Entangle Makes Three, qui parle en fait de deux pingouins qui trouvent un bébé pingouin et l'adoptent, a été considéré comme pornographique, puisque en fait, par extension, il s'agirait d'un couple homosexuel par projection anthropomorphique qui adopterait un enfant. Et la Floride est en fait le principal laboratoire de ce mouvement de censure. Plus de 40% de toutes les interdictions de livres ont eu lieu dans des districts scolaires de Floride. C'est ce qu'on voyait sur la carte précédemment. Le deuxième état, donc, c'est le Texas, suivi du Missouri, de l'Utah et de la Pennsylvanie. Alors, pourquoi est-ce que la Floride est au centre de ces débats? C'est en raison de l'activisme conservateur qui s'est attaqué, qui s'est vraiment saisi de ce qui s'appelle, ce qu'on peut appeler les conseils d'administration des districts scolaires. Alors en anglais, c'est the school boards. Et ce sont des entités politiques, donc ce sont des groupes de citoyens et de citoyennes qui ont un véritable pouvoir sur ce qui se passe dans les écoles de leur district. Donc en fait, si on reprend juste cette carte, alors elle est très utile puisqu'on voit vraiment des dynamiques se dessiner dans ces États conservateurs, mais en fait, elle est insuffisante puisqu'elle homogénéise vraiment tout un État. Mais en fait, si vous prenez par exemple la Floride, il y a des milliers de districts scolaires en Floride. De même au Texas. Au Texas, par exemple, il y a 1207 districts scolaires. Et donc un district scolaire, par exemple à Houston, ça va être un tout petit quartier. Et ce qui se passe à l'intérieur de ce district, donc qui peut avoir 2, 3 ou 10 écoles, ce qui se passe à l'intérieur de ce district, c'est décidé par ce conseil d'administration,
ce conseil d'éducation qui est composé de citoyens et citoyennes ordinaires. Donc vous pouvez être parent d'élèves, comme vous pouvez avoir n'importe quelle profession, et vous vous présentez, donc vous faites campagne pour être élu au conseil scolaire. Et une fois au conseil scolaire, vous avez un pouvoir vraiment très important, puisque selon les lois, encore une fois, on en revient au fédéralisme, selon les lois des États, le conseil d'administration des districts peut par exemple avoir la main mise sur les programmes scolaires, le recrutement et la rémunération des enseignants et des enseignantes, la carte scolaire, donc c'est-à-dire dans quel établissement les élèves vont être affectés selon leur lieu de résidence, et les budgets des écoles. Donc c'est un pouvoir phénoménal dans les mains de citoyens et citoyennes. Et donc les élections au district scolaire, c'est vraiment une affaire locale, une affaire hyper locale. Donc il y a plus de 80 000 membres de conseils scolaires aux États-Unis, il y a plus de 13 000 districts scolaires aux États-Unis. Et ça, et le pouvoir de ces conseils, le Parti républicain l'a très bien compris et s'est saisi de cette échelle, beaucoup plus que le Parti démocrate, donc cette échelle vraiment hyper locale de la politique. Par exemple, l'ancien stratège de la campagne de Trump, Steve Bannon, a déclaré en 2022 sur son podcast que la façon de sauver la nation, c'est de passer par les conseils scolaires. Donc, sauver la nation, bien sûr, dans sa vision du monde, qu'en fait, le combat politique, peut-être qui aurait le plus d'impact, ce serait celui qui se joue dans les conseils scolaires. Et des personnalités du Parti républicain ont mené des campagnes locales visant à utiliser ces conseils scolaires comme moyen de limiter des discussions sur le racisme, le genre, la sexualité. Ou alors on peut voir les choses à l'envers et se dire qu'en fait, afin d'être élu, certaines personnes ont fait le pari de promouvoir la censure, donc d'avoir une campagne sur la censure afin d'avoir accès à ces positions dans les conseils scolaires. Donc ce qu'on voit vraiment dans le mouvement de la censure, c'est ce nouvel activisme conservateur, enfin l'activisme conservateur contemporain en marche, avec des groupes qui se sont vraiment démarqués. On pense notamment à Moms for Liberty, donc Moms, les mamans, pour la liberté, avec le 4 Liberty, parfois écrit avec un 4. Alors vous voyez déjà dans le titre, dans le choix du nom, il y a des couches idéologiques assez profondes. Donc Moms, afin de vraiment mettre l'accent sur leur légitimité en tant que mère, puisque ces mères blanches de classe moyenne qui sont élues au conseil scolaire ou qui cherchent à être élues au conseil scolaire, mettent vraiment en avant leur rôle en tant que protectrice des enfants. Alors ça a une longue histoire aux États-Unis, mais la vision de la mère au foyer, donc ce sont des mères au foyer souvent, la mère au foyer blanche de classe moyenne dans les banlieues américaines comme étant la personne la plus compétente pour décider de ce qu'apprennent les enfants. Et donc ce groupe Moms for Liberty a vraiment été la figure de proue de ce mouvement conservateur en s'attaquant aux livres qui font référence à des questions de racisme. Alors là, on voit par exemple Robin Steinman, que vous voyez à gauche, qui montre un ouvrage sur l'histoire du mouvement pour les droits civiques. Brooke Stephens, qui elle est représentante du groupe Utah Parents United. Donc des ouvrages qui parlent du racisme, mais aussi, encore une fois, c'est la version la plus récente de ce mouvement qui avait vraiment commencé autour des questions de racisme, des questions de genre et d'identité et d'orientation sexuelle. Alors ce groupe a pris une grande ampleur assez rapidement, puisqu'il a été créé en 2021. Et en 2023, lors de leur congrès national, les orateurs étaient comprenaient par exemple l'ancien président Donald Trump. Donc pour vraiment montrer l'ampleur de ce mouvement, Donald Trump était présent et donc a tenu un discours lors de leur congrès de 2023.
et ainsi que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui avait vraiment fait de la censure un de ses points de campagne les plus importants, et la candidate républicaine à l'époque, à la présidence, Nikki Haley, que vous voyez ici. Donc ce groupe Moms for Liberty avait été créé seulement en janvier 2021, et vous voyez qu'il a eu une ascension fulgurante, puisqu'en 2023, il est vraiment ancré dans le paysage politique conservateur. Aujourd'hui, Moms for Liberty revendique 285 sections du groupe, donc dans différents États, dans 45 États, et 120 000 membres. Alors ces groupes, pour les replacer dans un contexte plus historique, on peut dire que c'est une manifestation ultra contemporaine d'un combat beaucoup plus long entre progressistes et libéraux, pour parler comme les Américains, et conservateurs, dans ce qui s'appelle les guerres culturelles. Et cette opposition-là, elle est beaucoup plus ancienne. Et on peut même remonter au tout début du XXe siècle, quand il y avait déjà des mouvements de censure. Par exemple, en 1925, un procès dans le Tennessee autour de l'enseignement de l'évolution, des théories de Darwin, qui avait coûté son poste à un professeur de biologie, puisque les parents d'élèves avaient porté plainte, disant que son cours sur l'évolution était une violation de leur droit, de leur liberté de culte. Et donc il y a plusieurs historiens et historiennes qui se sont intéressés à ces guerres culturelles. Là, c'est juste, si vous cherchez des références bibliographiques, donc des historiens et des historiennes de l'éducation, qui ont montré comment les écoles ont toujours été une arène, en fait, dans les guerres culturelles. Et c'est dans ce contexte qu'on voit les mères, encore une fois, donc ces mamans, ces mères d'élèves, encore une fois, blanches, souvent de milieux aisés de banlieue, se sont démarquées et sont devenues vraiment des actrices historiques majeures. Ici, c'est trois ouvrages qui portent sur la période de la déségrégation. Donc, pour résumer très rapidement, dans les années 60 et 70, il y avait des écoles, bon, précédemment il y avait des écoles noires et des écoles blanches, et dans les années 60 et 70, il a fallu mélanger les élèves des écoles blanches et noires, puisque avant 1954 plus précisément, c'était tout à fait légal d'avoir des écoles séparées, puis ça ne l'a plus été. Et pendant cette longue période de déségrégation qui a duré deux décennies, qui a eu un succès très mitigé, les mères blanches se sont mobilisées partout aux États-Unis, pas que dans le Sud, comme on pourrait le penser. Et c'est pour ça que, par exemple, une historienne les appelle « Mothers of Conservatism » ou une autre « Mothers of Massive Resistance ». Donc ce rôle occupé par les mères blanches de défense des enfants, alors c'est des enfants blancs, chrétiens, de banlieue, contre un danger. Alors là, c'était un danger qui était les autres élèves, les élèves racisés. Aujourd'hui, ce danger, ce serait l'endoctrination des enseignants et des enseignantes. Voilà, se sont présentées comme celles qui pouvaient défendre cette démographie vue comme des victimes. Alors, qu'est-ce que pourrait faire, pour finir encore une fois sur la campagne, qu'est-ce que pourrait faire le président actuel ou le futur président-présidente? Alors, c'est assez difficile en matière d'éducation, puisqu'encore une fois, ce sont les États qui sont souverains. Donc, en fait, le pouvoir du président actuel ou la future personne qui sera à la Maison-Blanche est assez limité, puisque les États peuvent décider de ce qui se passe en matière d'éducation. Et encore une fois, ce sont les districts scolaires qui, en général, décident, qui ont le dernier mot sur les livres qui peuvent circuler dans les écoles ou dans les bibliothèques pour les villes. Alors quand même, Joe Biden a abordé la question. Donc en juin dernier, pendant le mois des fiertés, il a déclaré qu'il allait créer un nouveau poste de coordinateur ou coordinatrice de l'interdiction des livres, Book Ban Coordinator, ça n'a pas encore été fait. Et ça avait été tout de suite moqué et repris par les Républicains, qui avaient renommé ce poste, ce poste potentiel coordinateur de l'interdiction des livres, promoteur de la pornographie dans les écoles. Alors pour finir, j'aimerais tout de même
rappeler qu'il y a un mouvement important de résistance, surtout de la part des élèves, mais aussi des enseignants et des enseignantes, mais peut-être de façon moins marquée, puisqu'il y a une véritable peur de perdre son poste. Et cette résistance qui vient des élèves nous rappelle que, alors il y a quelque chose de vraiment immédiat et spectaculaire dans la censure d'un ouvrage, mais en fait, on peut voir plusieurs visions de l'avenir et plusieurs temps différents qui se croisent dans ce combat. Donc trois temps, le temps vraiment immédiat, faire interdire un ouvrage, un roman. Ensuite, un moyen terme, les élections au conseil scolaire et la stratégie de parier sur la censure a été vraiment mitigée pour les personnes qui avaient décidé d'en faire leur combat, puisque aux midterms, donc aux élections législatives ou demi-mandat en 2022, on a quand même vu que la plupart des personnes qui venaient des groupes comme Moms for Liberty, on pourra en reparler pendant la discussion, mais ont perdu leur élection. Et ensuite, au long terme, et c'est peut-être en fait ce qu'il y a de plus important, le combat que mènent les Républicains, c'est une stratégie pour essayer de façonner l'électorat futur. Et ça, c'est quelque chose qui est plus rarement mentionné, mais qui me semble crucial, c'est qu'il y a une vraie inquiétude de la part des Républicains quant aux nouvelles générations de citoyens et citoyennes. Il y a une étude de l'Institut Manhattan qui, pour moi, illustre vraiment la raison pour laquelle les Républicains trouvent cette cause si urgente. L'Institut a mené un sondage qui a montré que les jeunes personnes qui avaient été exposées au concept critique de justice sociale étaient beaucoup plus à même de voter démocrate. Donc, par exemple, l'enquête montre que si les personnes avaient rencontré pendant leurs études, et vraiment études au sens large, de la primaire jusqu'au lycée, des notions par exemple de racisme systémique, de patriarcat, de dépossession des terres amérindiennes, ces adultes, ces jeunes adultes, étaient beaucoup plus à même de voter démocrate. Donc pour moi, il y a dans cette corrélation un vrai pari politique. Si on limite les discussions de ces concepts-là, si on limite tout discours autour de l'inégalité ou des relations de pouvoir aux États-Unis, alors peut-être qu'on façonnera un électorat plus républicain. Et ça, je pense que c'est le pari qui est fait par le Parti républicain actuel, en tout cas ceux qui soutiennent la censure dans les écoles. Merci beaucoup pour votre attention.